Voilà, début de tournage sur ce plateau en plein air pour la traversée de Paris. Je vous rejoins ici alors que je suis la voiture traveling qui part sur le bois de Vincennes, accompagnée de Jaguar et de Traction, mais également de beaucoup d'autres voitures, comme cette Pontiac Mercedes 250 SL. Beaucoup de voitures extraordinaires ici que l'on va vous faire découvrir en photo tout à l'heure sur notre réseau FB. Voilà différentes voitures prêtes à partir. Camaro. Spitfire. Alors qu'ici, dans les bus, bien nombreux sont ceux qui montent dans les bus. Il y a 2, 3, 4, 5 bus finalement. Il va y avoir 4. On en a 5 parce qu'il y a un supplément de monde pour accompagner cette traversée. Les bus qui regroupent la presse, mais aussi des spectateurs. Car si vous étiez intéressé ou si vous êtes intéressé pour une prochaine édition, bah, sachez que les organisateurs mettent à la disposition des personnes, des visiteurs, des bus, les anciens bus de la RATP, bien sûr sur réservation, mais je pense que c'est une initiative à remarquer. Voilà, alors là, une ancienne Mustang, donc je vous fais apprécier le bruit, elles sont nombreuses ce matin. Alors que défilent quelques berlinettes. Et bien d'autres voitures prestigieuses sur ce plateau au pied du château de Vincennes. On assiste également à un concours de klaxons. Voilà, c'est un petit peu le patrimoine qui des fois, patrimoine automobile qui défile ce matin. Et bien sûr, Radio Hervé, nous avons le temps de vous passer quelques sons de ces voitures prestigieuses. Et je crois que vous saurez les apprécier. En tout cas, certains sont fidèles à nous écouter et je les remercie. Voilà une série de motos également. Voilà la traversée de Paris, c'est ça, c'est beaucoup de voitures de collection, des motos, un petit peu tout. Et le plaisir de se réunir par marque souvent, mais aussi de voir toutes sortes de véhicules, ce qui n'est pas le cas dans toutes les manifestations. Alors, écoutez-moi par exemple cette petite Vespa 400, un deux temps, pas facile à démarrer, mais je peux vous dire que c'est appréciable. Je peux vous dire pour l'avoir apprécié il y a des années. Dans la côte de la Gineste vers Marseille. C'est une voiture exceptionnelle. Motobécane. Et maintenant une autre moto de collection, une V-Max. Beaucoup plus récente, mais toujours intéressante aussi.
voilà, vous avez quelques 50 cm cubes, et bien ceux-ci aussi ont envie de rouler, vous voyez, ça fait partie du patrimoine. Alors les motos, bien, le parc s'est étoffé cette année, là aussi, on en a beaucoup plus. Alors il y a des motos des 60s, mais aussi des motos des années 30. Voilà, et puis 2013, eh bien, ça annonce beaucoup d'événements. On a suivi en octobre dernier Automédon, mais bien sûr, les amateurs de voitures anciennes se préparent déjà avec des grandes ventes, avec des grandes expositions sur l'édition 2013 de Rétromobile, en février à Paris, au Palais des Expositions. Voilà, ben même si on s'attendait à beaucoup d'embouteillages ce matin en arrivant sur Vincennes, et bien finalement c'est pas tout à fait inapprochable. Vous avez une facilité d'accès quand même, et finalement la circulation est fluide au départ, les voitures vont et viennent, et les parkings comme ça se meublent et se vident. Ce qui permet d'assurer un flux de environ 500 véhicules plus ceux qui ne sont pas inscrits. Voilà, Austin Alley 1959. Voilà, un Bedford, effectivement, comme le disent certains spectateurs, ça rappelle les marchands de glace de l'époque, l'époque britannique. Et puis les tractions, toujours là, intouchables. Petite Fiat 500 si ça vous intéresse, elle est à vendre. Également petite Honda 600 et puis la Coccinelle, beaucoup plus récente. Voilà, c'est ça l'ambiance de la traversée de Paris. Voilà, on est en musique, mais aussi des bruits incroyables. Triumph, Peugeot, voilà ces vieilles motos. Voilà, ici tout est permis, même de sortir ses plus vieilles voitures et ses plus vieilles motos. C'est le conducteur qui explique qu'il n'y a pas de poignée tournante en fait. Il s'agit d'un accélérateur à la main, du guidon. Voilà, cette Triumph P500 de 1926, eh bien, elle s'en va, elle roule parfaitement bien. Et puis, ben, je trouve ici une DS qui revient d'Irlande. Irlande, c'était quand même en juin 2011, mais elle a eu aussi un voyage à Euskadi en avril 2012, vous voyez que c'est des voitures qui bougent. Alors, belle DS Palace, rouler avec ça c'est confortable effectivement, mais ça fait toujours plaisir de les voir rouler, et surtout bien soigner.
Voilà, la série de motos, je vous ai dit, moto, vélo, moteur, est très importante. Alors, il y a encore beaucoup de solex ici, ça revient. Beaucoup de triomphe également. Alors que eh bien d'autres véhicules arrivent. D'autres véhicules arrivent, pas tous inscrits, mais pourquoi pas, ils rejoignent le défilé. Alors beaucoup d'américaines, de voitures américaines également. Ça c'est toujours un plaisir de les voir. C'est des voitures qui cotent de moins en moins malheureusement, mais parce qu'elles coûtent cher d'entretien. Enfin au niveau essence surtout. Mais ce sont des très belles voitures. Si vous avez de quoi parquer, je crois qu'il y a des affaires à faire. Pour quelques voitures atypiques, quelques camions, fourgonnettes également. Estafette décorée de l'époque. Je m'approche là d'un vieux camion, du Maroc 2012. C'est un Akmat, ALM, qui est un constructeur de Saint-Nazaire. Voiture très intéressante que l'on a retrouvée sur pas mal de chantiers à l'époque. Et voilà, ces voitures maintenant retravaillent sur la compétition classique et notamment les rallyes anciens. Je vous le ferai passer sur notre réseau.